Nous avons fait une rencontre extraordinaire aujourd'hui parce que nous avons commencé la tournée hier. Bon, donc, on était dans le secteur de la pêche à Mbour. Nous avons rencontré une bonne partie des pêcheurs. Nous avons discuté des problèmes et des préoccupations au niveau de la pêche, surtout de la pêche artisanale. Bon, donc la gestion des ressources, les monofilaments, les filets dormants, les scènes tournantes, les scènes de plage. Aujourd'hui aussi, nous avons mis l'accent sur l'agriculture et l'élevage et la foresterie. Nous avons discuté du foncier, nous avons discuté aussi du matériel agricole, nous avons discuté des semences, donc des semences de qualité. Nous avons aussi discuté du matériel atelier, donc pour des supports pour qu'on puisse avoir en tout cas une meilleure possibilité de mieux travailler la terre. Nous avons parlé beaucoup aussi des subventions, bon, donc surtout notamment l'engrais et les semences. Parce qu'aujourd'hui, bon, donc, tout le monde sait qu'il y a une partie du pays où la pluie a commencé à tomber. Donc ça pose problème. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore vu les semences. Donc ça, ce sont des réalités donc, que nous rencontrons sur le terrain. Et nous allons sensibiliser le gouvernement pour qu'on puisse en tout cas diligenter la situation. Surtout notamment au niveau des... Et la diminution des intrants aussi, ça pose des problèmes au niveau des producteurs que nous sommes. En tout cas, il y a bon, donc une augmentation du prix, à 200 francs le prix de la hache, et donc le sac qui revient à 9000 francs, vous voyez que c'est bon, donc c'est excessivement cher pour les paysans. Donc il faudrait qu'on puisse en tout cas revoir la donne pour nous permettre en tout cas d'être au point pendant l'hivernage. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup.